Et bonjour tout le monde, ici Date d'Héro pour vous servir. Donc on se retrouve directement dans la suite de l'action. Nous allons aller voir dans la forêt. Nous allons aller chercher le loup dans la forêt. C'est un peu ça quand même. Je laisse ma belette où elle est puisque de toute façon je n'en ai guère besoin. Je pense que ça doit pas être très très loin. Eh oui, donc nous n'avons pas pu faire comment ça s'appelle? Tiens, des bûcherons dans le coin. De nouvelles épées, malheureusement, puisque nous manquons d'argent, cruellement. Voyons voir. Est-ce que je trouve quelque chose? Effectivement, salut les loups. Ah, qu'est-ce que t'es moche! Ah là! Ça, les loups, c'est fait. Sorceleur? Et qui se fout là, elle? Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas vous promener seule dans ces bois. Je suis venue vous dire, ne perdez pas votre temps à chercher Anna. Elle serait déjà revenue si elle était encore en vie. Je double la somme offerte par Nilaine si vous lui dites que sa femme est morte. Je sens que tu sais quelque chose, toi. Vous ne voulez pas savoir ce qui lui est arrivé? Plus c'est ta sœur. Tu ne me fais pas d'illusion, sorceleur. À Vélène, quand on disparaît aussi longtemps qu'Anna, on n'en revient pas. Anna est morte, c'est sûr. Il faut que Nilaine l'accepte et tourne la page. T'aimais pas ta sœur? Étrange. En général, les gens préfèrent connaître le sort de leurs proches. Non, ouais, je suis assez d'accord. Ça ne me rendra pas Anna. Et Nilaine est tout ce qui me reste. Eh ben, au moins, ça te permettra de faire le deuil. Je ne veux pas le perdre, lui aussi. Il ne peut pas accepter la mort d'Anna, même si ça le ronge de l'intérieur. Ok. Il mérite mieux que ça, le pauvre. Alors toi, soit t'as buté ta sœur parce que t'es amoureuse du mec qu'elle a épousé, soit il est arrivé un truc à ta sœur et tu sais ce qu'il est et t'en profites donc pour écarter les cuisses et te faire baiser par le mec de ta sœur. C'est... Non, j'ai retrouvé ta sœur. Désolé. Quand j'accepte un travail, je vais jusqu'au bout. Oui. C'est donc vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Les sorcières, pourraient même en dire. Ah, bien sûr. C'est juste que je rentre pas dans tes plans. Saloperie. Oh, un kleps. Examinons. Ouh. Ah, ce n'est pas un homme qui a fait ça. Ouais. Des traces de griffes. La chair a été arrachée. Ok. Ça commence à devenir intéressant. J'ai pas fini. Donc, ici. Des marques de griffes. Profondes. Alors, vu la taille des trucs. C'est pas un... peut-être un loup normal, on va dire. Ouais. Et donc... pour mille clips. Ok, hein. Je suis un peu embêté, mes amis. Là, je ne sais plus où aller. D'habitude, quand on trouve des marques, le truc nous indique un peu où aller, quoi. Là, je suis un poil perdu quand même. Tac, 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 tac. C'est quoi ça? C'est un caillou.
un caillou. Bon. Il doit y avoir autre chose dans un endroit où on n'a pas été. Beaucoup sorti de la zone. Revenons. Qui c'est? C'est une pomme de pin. Ok, bon. Ramasser comme ça, ça s'est fait. Ah, la loose. La loose. Ah! Ok. Un corps en décomposition. C'est sans doute Anna. Il y a du sang partout. Enfin, Anna, ouais, parce que. Pas de doute, c'est un loup-garou. Prudence. Ok, un lycanthrope donc. Un lycanthrope. Ok. Du sang et des traces de pattes. Je me demande où elle mène. Merde, il est monté dans l'arbre. Il a fait ses griffes. Je ne peux pas le suivre. Il y a peut-être d'autres indices au sol. Ouais, en effet. Ça ressemble beaucoup à des pattes d'ours. Ça. Ah, j'ai vu un truc là. Yes. Une touffe de fourrure. Oh. Oh. Son propriétaire n'a pas fait sa toilette depuis génial. Un moment. Je suis à l'odeur. Attends, c'est un peu comme les gonzesses qui arrêtent pas de se parfumer comme des dingues. Comme quand vous sortez de chez Sephora, vous savez. Toutes les personnes que vous croisez peuvent vous dire « Ah, vous avez été chez Sephora, vous ?» Eh oui, parce que tous les parfums du magasin vous êtes tombés sur la gueule. Bon, je suis d'accord, tout le monde préfère sentir bon plutôt que puer la transpi. C'est pas la peine de se baigner dans une baignoire de parfum quand même. Si, des habits d'homme, ah. En lambeaux, mais pas de traces de sang. Qui déchire ses propres vêtements et les abandonne dans les bois. Une maison. On dirait une cabane de chasseurs. Ok, allons voir ça. Les personnes, pillons, profitons-en. Oh. Faut des trucs bien dans sa cabane à lui. Ok. Je trouve un truc. Ah tiens. Des notes. Qui a bien pu lire tout ça. Et là c'est verrouillé. Ok. Alors lisons ces notes. Je suis qui je suis. Je ne peux rien y changer. Chemise tissée de persil et de potions concoctées avec des larmes de vierge sont peut-être efficaces dans les histoires de grand-mère, mais je ne peux rien en attendre. Il est temps que je l'accepte. Avec l'amour d'Anna et une discipline de fer, j'ai trouvé un moyen de faire face. Et je dois penser à me cacher dans les bois avant la pleine lune, pour m'éloigner des autres. Et d'Anna. La crise vient, puis passe. Je me réveille avec des blessures aux mains et un goût de sang dans la bouche. Il est peut-être préférable que je ne me souvienne de rien. Tuer une proie avec un arc et une flèche, c'est une chose, mais la déchiqueter avec ses crocs et ses griffes. Ici au moins, au milieu des bois, je ne ferai de mal à personne. Miséricordieuse Mélitelle, pardon. Veille sur ceux qui auront le malheur de trop s'approcher.
Ok, donc le mec est un lycanthrope. Et je crois que ça pue. Ce mec a dû buter sa femme. Je crois que ce mec a dû buter sa femme. Putain, quel idiot. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est très très moche. C'est très 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 moche. Alchimie, est-ce qu'on peut faire un truc? Créature maudite, putain, il me manque. Un aconite, ok. Bon, tant pis. Oui, puisque la lycanthropie est une malédiction, enfin. En tout cas, dans n'importe quel jeu de rôle, c'est le cas. Oh. Pas beaucoup de sang là. Le sang est à peine sec. On l'a traîné ici. Mais d'où? Ok. L'hirondelle, c'était peut-être pas le bon moment. Donc nous allons faire un moment de méditation. Titeur. Voilà. C'était ça que je voulais. Voilà. Ah, regardez. Et on va se remettre. C'était pas ça que je voulais faire non plus. C'était ça. Mettons Igni en place. Inventaire. J'ai pas d'autres potions à la con, moi. Oh fuck. Voyons voir si on peut faire des potions. Ah, je peux pas faire ça. Putain, il me manque des becs, quoi, la loose. Abedo, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, nos potions alchimiques. Ok, okay, c'est un truc pas utile pour le moment. Ok, donc on ne peut rien faire, c'est la classe. Donc le combat contre Mister Loup-Garou. Attendez la nuit. Ok, donc méditation. Ouais, je veux bien attendre la nuit. C'est pas assez la nuit? Ok, c'est pas assez la nuit. Reméditation, du coup. Hop, voilà. Au moins, il est minuit, nous prendrons pas la tête. Donc. Ouch, putain, ils font mal, c'est con. Mais il va me laisser le temps d'esquiver là. Ah, et puis il y a l'autre loup là. Ah, mais c'est bon les caniches. Ah, putain, les caniches, ils m'ont buté quoi. Ok. Eh ben, on va recommencer. Putain, se faire buter par des caniches, quoi. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Plus l'histoire. Ça aussi que j'aime dans ce jeu. Oh non! Bitch. Bon, essayer de retrouver la masure. Ça, on va pas se prendre la tête. Ça va pas être très, très loin, je pense. Tiens, j'avais pas vu cette tour tout à l'heure. Carte du monde. Où c'est qu'elle peut être? Je pense que c'est là. Tour à
abandonné. Ok. On a trouvé ça. Il y a peut-être un truc intéressant qu'on ira chercher après. Je me souviens pas avoir parcouru autant de chemin quand même. Je me souviens. Ah, la voilà. On dirait une cabane de chasseurs. Hop. Je pense aussi qu'il est temps d'utiliser les quelques points qui nous restent. On en a un disponible. Ok. Ah oui, mais on n'a pas d'emplacement pour les mettre. Que dire? C'est vrai qu'on utilise beaucoup ça, mais INI aussi, je l'utilise beaucoup. Puis là, en l'occurrence, ça serait très pratique. Allez, hop, ça, on pourra passer à la suite. Hop, donc ça, on l'a lu. Qui a bien pu. Hop. Hop. Petit coup de hard. Petit coup de hard. On sait rien, je me fais rire tout seul. On avance. Je vais essayer de changer un peu de stratégie. On se met un peu de quen. Eh oui, le gras du jambon, ça aide aussi. Donc méditons. Putain la vache. Hop. Eh hey, mais mec, je t'ai encore rien fait. Bon, je sens que je vais en chier. Je vous le dis, je sens qu'on va en chier. Ok. Petit Quen. Petit Ini. Putain, je suis presque au taquet. Il est où? Tu es où, mon salaud? Ok. Ah putain. Non. Ah tcha. Oh l'ami. Toi aussi tu régènes. Putain, mais ce clébard va pas arrêter de me faire chier, quoi. Ah, saloperie.
Bon, et ben après ces deux faits, mes amis, c'est déjà la fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là, malheureusement. Et oui. Et dans la prochaine vidéo, je vous promets que cette fois-ci, nous allons abattre ce chien, puisque de toute façon, c'est un loup-garou, ce n'est rien d'autre qu'un chien. Et j'espère cette fois-ci dans de meilleures conditions. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt. C'était Deldero pour vous servir. Allez, ciao tout le monde.